coucou, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on est mercredi le 17 avril et on va aller faire un petit tour au Nose, comme je vous avais dit, que j'allais vous reprendre. Donc aujourd'hui c'est couvert, il y a du vent, il fait beaucoup plus frais que les autres jours. Et allez, c'est parti, on va aller faire un tour à Nose. Excusez-moi parce que je suis pas très bien aujourd'hui. Ouais, ça va pas trop bien. En plus j'ai super mal au ventre, donc franchement c'est pas cool. Allez, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, on va faire un petit tour. À chaque fois quand je me filme comme ça, j'ai l'impression que j'ai une grosse tête. Allez, à tout à l'heure. Je dis que des conneries. Regardez, là je suis au Nose, vous avez un petit arc blanche comme ça, vous avez un miroir de poche avec un blender, j'ai l'impression, à l'intérieur. C'est 1,99€. Après vous avez toujours des pinceaux. Alors là il n'y a pas de prix dessus. Qu'est-ce que c'est ça? Là vous avez un petit pinceau comme ça à l'intérieur, c'est 89 centimes. Vous avez toujours des brosses. Là j'ai vu qu'il y avait des faux ongles. Les faux ongles qui sont à 99 centimes. Vous avez aussi les limes à ongles. Là on a encore des brosses. Et là vous avez un rouleau. Rouleau visage, 1,50€. Après ici vous avez des lingettes, des petites choses comme ça, vous avez des lingettes pour les bébés. Ah, regardez, de la lessive ici, Dash 2 en 1, c'est 10,99€ les lingettes. Vous avez les gratounettes pour les éponges, vous avez savon liquide 1,30€. Qu'est-ce que c'est ça? Je crois que c'est pour accrocher dans les armoires. C'est à la rose, c'est 80 centimes. Ça sent la rose. Et là vous avez, je pense que c'est pour les animaux. Elles sont à combien celles-là? Elles sont à 69 centimes. Et ici vous avez des extraits de plantes, 4,99€. Et ça c'est, je pense pour mettre des cotons, des choses comme ça dedans, c'est 1,50€ pour mettre des cotons. Après là vous voyez, vous avez plein de petits élastiques. Il n'y a pas de prix ceux-là. Les masques, ceux-là je vous les avais déjà montrés. Qu'est-ce que c'est ça? C'est des gants. 4,99€. Vous avez les masques. 4,99€. C'est pour l'humidité. C'est 1,79€. Ça c'est pour le visage, je pense. Gel nettoyant, c'est 2,49€. Là vous avez une huile sèche, 4,49€. Corinne de Farm, jamais vous connaissez. Ça c'est des désodorisants armoire, c'est 80 centimes. Vous avez plusieurs modèles. On a les petites chiffonnettes qui sont à 3,29€, il y a 12 pièces. De la lessive. Vous avez des lingettes, je vous montre vite fait. Là je pense que c'est encore des lessives, je pense. 2,99€, trousse de toilette, éponge nettoyante, éponge exfoliante. Et là vous avez, si vous avez des problèmes avec 1,69€, c'est des compresses chaudes. Et vous avez aussi, je crois, ces compresses froides, j'avais vu une fois. Là vous avez des produits, vous voyez, des choses comme ça. On va voir de l'autre côté. Et quoi là? Là il n'y a pas grand chose ici. Grosse brosse là. Elle a combien cette grosse brosse? C'est 1,99€. Je sais pas ce que vous faites avec ça, mais c'est bon quand même. Je sais pas. Il n'y a pas grand chose là. Ouais. On continue. Ah, qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est des collants. Un truc comme ça, non? Non, c'est pas des collants. Qu'est-ce que c'est? Des gants en purificateur de bronzage. Je suis vraiment des conneries. J'ai que des conneries, moi. Regardez, des blocs pour les cabinets. C'est 1,99€. Ça va, hein. Les gants, il n'y a pas de prix sur les gants. Le papier toilette, je pense que c'est du papier toilette, c'est 3,99€. Allez, si on continue, on va voir ce qu'il y a. Regardez, je vous garde avec moi un petit peu. Ce qu'il y a, c'est que c'est la musique, quoi. Sur YouTube, on n'a pas le droit à la musique. Regardez, il y a plein de chaussures. Il y a tout plein de chaussures. Ben là, je ne filme pas tout, hein, parce que sinon je reste là toute la journée. Et j'ai envie d'aller faire d'autres magasins, surtout d'aller voir s'il y a le livre à coloriage aujourd'hui qui est sorti. Regarde, c'est le bordel. Je reprends après quand il y a des trucs. Parce que regardez là, vous avez des cartons avec plein de chaussures dedans. Vous voyez?
Là, ils nous ont mis des sacs ici. Regardez, il y a plein de sacs là qu'ils ont accrochés. C'est combien les sacs comme ça, juste pour voir? Ça, c'est 2 euros quelque chose. Ça va. Cela, c'est 5 euros quelque chose. Il y a un truc dessus. 7,99 € les colorés derrière. Vous avez des chapeaux. C'est 1,99 €. Voilà. Allez, on va voir un petit peu ce qu'il y a ailleurs. Regardez pour les chats. 7,99 €. Vous avez toute une boîte de cette marque-là. Vous avez plein de trucs. Et là, vous avez des pour les animaux, pour les chiens. Oh, regardez pour les cochons d'Inde. C'est combien le paquet? C'est 1,99 €. Vous avez aussi ça. 1,50 €. Regardez, vous avez un petit peu de pulse là, mais c'est des. Celui-là c'est un 180, c'est 4,99 €. Après ici vous avez 4 pulse, mais à chaque fois c'est. Là vous avez 20 pièces, là vous avez 60 pièces. 20 pièces, 60 pièces, vous voyez. Il y en a 4 dedans. Et c'est. Le prix c'est 4,99 €. Vous avez la Reine des Neiges. Il y a Mickey Mini. Voilà, voyez. C'est le même prix. Hein. Et j'ai vu que vous avez aussi du 1000 pièces, mais vous n'en avez pas beaucoup. Regardez, vous avez aussi ceux-là, mais ça c'est pas du 1000 pièces, c'est du 3×48. Vous avez ces modèles-là. Mais je crois que c'est le même que je vous ai montré. Hein. Sauf celui-là. Dommage, ils sont jolis, mais c'est pas des 1000 pièces. Vous avez cela en 60 pièces et c'est 3,99 €. Après, vous avez là, vous avez du 1000 pièces Batman, Spider-Man. Là. Regardez pour les pop. Celle-ci, elle est à 9,99 €. Vous avez celui-là, là, Spider-Man, 7,99 €. Vous avez plein de petites pop là. Regardez là, le papier, il est super joli, c'est 4,50 €. Il est super beau, mais je crois que c'est tous les mêmes modèles. Après, vous avez ceux-là aussi, ils sont à 3,20 €. Vous avez en gris, en rose. Regardez, encore des pop ici. Alors là, c'est 6,99 €. Vous en avez à 3,98 €. Vous voyez, une petite pop comme ça. Vous avez ce type-là aussi, le modèle. Celui-ci. 8,99 €. Vous avez plein de petites pop ici. Prix différent. Hein. Voilà, si jamais vous êtes intéressé. Regardez, vous avez des jeux Switch là, je vois. Mais je sais pas le prix. Et là, vous avez des PS5, 7,99 €. Et ceux-là, je n'ai pas le prix de ceux-là. On va regarder. Il y a quoi? Alors, vous avez que le même à chaque fois. Et le prix, c'est. On ne sait pas. Donc le prix, je ne pourrais pas vous le dire pour celui-ci, c'est dommage. Et après, comme je vous avais montré la dernière fois, vous avez toujours plein d'autres parfums qui sont là. Voilà. Vous avez des soins aussi ici. Putain, je filmais pas. Je vous montrais. Je pense que c'est des huiles, c'est 2,49 €. Là, vous avez Body Mix, 1,29 €. Et là, vous avez un gel pour le visage. Et ici, vous avez des huiles. Là-dedans. Hop. Voilà, on vient de ressortir. Je me suis mis de l'huile là en vous montrant l'huile plein les mains. Là, on va partir sur Action. Je vais changer mes petits Lego là que j'avais pris. J'en ai deux en double. On va déjà faire le premier Action et on va s'arrêter à Auchan en premier pour regarder le livre. Je sais pas, je vais voir avec mon conjoint ce qu'il veut faire en premier. Et puis je vous dis bah, à tout à l'heure. Et moi, il faut encore que je me mouche avec ce pollen. Hein. Allez, à tout à l'heure. Et bah, il n'y avait pas grand-chose à nous. Hein. Donc voilà, j'essaie de vous montrer, mais il n'y avait pas grand-chose. Allez, je vous dis à toutes. Tchou, à tout à l'heure. Bon, finalement, on s'est arrêté à Cultura. Voilà. Donc, on va faire un petit tour à Cultura. On va voir déjà si elle est pas comme. Comme ça, si je ne trouve pas là, je peux regarder ailleurs. J'ai faim, j'ai pas mangé à midi. Ça me saoule en fait, faut que j'arrive à manger à midi, j'arrive pas. Allez, je vous reprends tout à l'heure, c'est au livre.
Regardez, je l'ai trouvé. Alors là, c'est le dernier, mais on est encore derrière. Donc si jamais vous êtes à Cultura, demandez à la personne qui s'occupe des livres, elle peut peut-être vous en sortir un. Donc là, je suis contente, je l'ai trouvé. C'est le dernier qui était là. Donc voilà. Mais il y en a encore derrière, donc c'est bon. Et sinon, pour les nouveautés, hein, je vous montrerai comme d'hab à Auchan, parce que là, c'est un petit peu du mélange. Après, vous avez vu, hein, je vous l'avais montré, celui-là. Regardez, là, vous en avez encore un. Vous avez toujours le 100% Stitch. Vous avez des mandalas, vous avez les princesses ici. Vous avez le tome 10, là. Et après, là, vous avez quelques mystères, il n'y a pas tout. Hein. Et pour les noms Disney, par contre, il n'y en a pas. Regardez, je vous montre, il y a des nouveaux gels douche, 1,79€. Vous avez celui-ci. Celui-là, je ne sais pas si c'est un nouveau. Sinon, vous avez encore celui-là. Celui-là, ils sont un petit peu bizarres. Et je crois que c'est tout. Hein. Je crois que c'est tout, qu'il n'y en a que deux. Apparemment, vous avez encore celui-là. Watermelon. Watermelon et c'est tout je pense. Non, il y a encore un jaune clair là. Je sais pas. Je sais pas si je voulais montrer celui-là de pêche. Je crois que c'est le même que celui-là. Ah non, celui-là c'est coconut et mangue. Vous en avez plusieurs, hein, c'est différent. Ici je pense que c'est un nouveau aussi celui-là, je suis pas sûre. Celui-là là. Biphase et celui-là. Je pense. Hein. Regardez au niveau des masques, on n'a pas trop de nouveautés hein, de ce que je vous avais déjà montré. Hein. Il y a les princesses là, ça je vous avais déjà montré. Il y a peut-être celui-là, je pense que ça c'est un nouveau, 79 centimes, je suis pas sûre. Bon ça me dit rien en tout cas. Après je regarde pas trop dans les masques, parce que c'est vrai que bah, moi j'en fais pas. Et puis vous avez celui-là aussi. Et puis côté make-up, écoutez, on n'a pas de nouveautés, je pense pas. Ils ont ressorti ceux-là. 99 centimes, mais ça, c'est pas de la nouveauté. Il y a encore les petits baumes à lèvres. Vous avez toujours les gloss. Il y a toujours les mêmes choses, hein, les rouges à lèvres. Il y a toujours les petites palettes là. Non, hein, il n'y a pas de nouveautés. Hein. Il n'y a pas les, les poudres là qu'ils avaient ressorti. Elles sont pas ici. Vous avez les palettes, toujours les mêmes. Hein. C'est pas des nouveautés. Je suis au deuxième action et à 9,95€, vous avez la nouvelle boîte là de. Vous avez les feutres et vous avez les crayons de couleur avec. Vous avez tout un ensemble là. À 2,59€, regardez, vous avez des assiettes comme ça. Vous avez les tasses avec et vous avez les bols. Et au-dessus, vous avez ces tasses là. Regardez, à 2,29€, vous avez des kits de broderie. Alors hier, je les ai pas vus, j'ai pas dû faire attention, je vous les montre aujourd'hui. Donc ça se présente comme ça et c'est tous pareil. Hein. Je pense que c'est pas imprimé, je pense qu'il faut le faire, je suppose. 2,29€. Je suis à Stokomani, je voulais vous montrer des t-shirts. En fait, c'est celui-là que je vous parlais là dans le vlog dernier. Il est joli, mais je trouve qu'il est long. Et là, ils sont à 12,99€. Et tout à l'heure, je vous ai montré vite fait les pyjamas qui sont devant. Là, là vous avez plein de t-shirts Disney, en fait, ici. Vous voyez, vous avez plein de Disney. Hop, celui-là, il revient tout le temps, celui-là. On le voit souvent. Là, on a un Bambi en violet. Là, on a celui-là. Moi, je l'ai, celui-là. Je crois que je l'avais acheté à nouveau, celui-là. Il y a du Stitch. Voilà, il y a plein de trucs. Après, je ne sais pas trop où filmer à cause de la musique, mais je peux vous montrer un petit peu. Regardez, encore du Disney, là. Un cœur du Disney. Qu'est-ce qu'ils ont? Ça, c'est que des chats, c'est une chemise. Vous avez plein de Disney, hein, Stokomani, là aussi. Il y a plein de pyjamas. Là, ils sont à 11,99€. Et vous avez aussi ceux-là. Ceux-là, ils sont aussi beaux. Hop, c'est un petit peu mélangé. Ça, c'est le même. Là, on a du Mickey. Là, on a celui-là. Il est beau, celui-là. Attendez, on va regarder à combien ils sont, ceux-là. Hop. Ceux-là, ils sont à 11,99€. Celui-là, il est chouette, mais je sais pas. C'est 11,99€. Je sais pas si c'est cher.
Après, je le trouve chouette. Vous avez aussi des t-shirts, hein. Je sais pas si on a les t-shirts qui vont avec. Je crois pas. Ah, là, c'est un M. Voilà, puis après, vous avez plein de trucs, hein. Vous avez des pantalons, il y a des ceintures, il y a plein de trucs, là, vous voyez. Tout ça, il y a plein de choses. Regardez côté palette, alors c'est 4,99€ ceux-là. Vous avez tout ça aussi, mais bon, ça c'est les trucs habituels. Elle est vachement belle celle-là, je pense que c'est une palette d'highlighter, il me semble. Elle est très très jolie. Vous avez là des nouveautés crayons que j'avais vu. Je sais pas ce que ça vaut, hein, les crayons comme ça. Il y a du bleu clair, ils ont l'air d'être sympas. Regardez les nouvelles palettes là, 5,99€ ces palettes là. Vous avez toujours les petites, la grande derrière. Vous avez ça, vous avez là, vous avez plein de petits petites nouveautés phares à 1,79€. Il y a plein de couleurs différentes. On va regarder vite fait de l'autre côté. Regardez, vous avez aussi les primers et les fonds de teint. Là, il n'y aura pas grand chose. Il y a des petits trucs de chez Makeup Revolution avec des paillettes. Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis au Cora et regardez, vous avez plein de pop. Il y en a tout plein. Il y a plein de modèles différents. Et puis regardez aussi ce que j'ai vu. Il y a du Disney. Il y a aussi du Disney ici. Hop. Vous avez des autres pop. Regardez là, il y a Blanche-Neige. J'ai vu aussi des sacs. Il y a des Mickey, des Mini. Il y a du Super Mario. Vous avez du Stitch. Il y a du Jack. Il y a ces personnages là. Il y a du Alice. Vous avez d'autres choses ici. Regardez les petits sacs, 49,99€ les petits sacs. Regardez là, vous avez encore du Titi, du Gros Minet dans des tasses, vous avez du Pokémon, il y a du Animal Crossing, après vous avez des petits modèles comme ça, il y a du Gremlins. Il y a des Ghostbusters, Sonic, du Minecraft. Après ici, vous allez avoir des petits porte-clés en Mickey. Vous avez d'autres trucs, hein. Vous avez des toutes petites pop. Je sais pas, c'est des porte-clés. Il y a du Harry Potter en porte-clés. Vous avez plein de choses, franchement. Ici, vous avez plein de choses. Il y a du Ariane, petite sirène. Vous avez du Winnie l'ourson. Regardez là, vous avez encore des. Vous avez du Crash Bandicoot, vous avez vraiment plein de choses. Le All-Star. Dembo. Vous avez le Roi Lion. Vous avez Mini. Non, on peut pas. Bien. Vous avez aussi des gourdes en haut. We'll be right back.
Coucou, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous m'entendez bien parce que c'est avec mon téléphone que je filme là, c'est pas avec l'autre téléphone. Bah, mon avis n'aura pas un bon son, ça ferait un son bizarre. Voilà, donc aujourd'hui, hein, je vous ai pas trop pris parce qu'il y a eu beaucoup de choses à faire et les rendez-vous. Donc voilà. Donc là, ce soir, je vais manger des pâtes avec de la crème et des champignons. Et puis là, ce soir, je ne sais pas ce que je vais faire. Donc, peut-être je vais faire un colo, peut-être je vais faire... je ne sais pas. J'étais faire un tour à Action parce que je cherche les miniatures avec les LED et tout, là. Mais je ne trouve pas. Il n'y en a pas dans mon Action. Et les deux Actions que je fais, il n'y a aucun comme ça. Et je cherche toujours le flamant rose en Lego. Je n'ai pas trouvé. Après, je vous avais emmené à Cultura, à Jouer Club, où je vous ai filmé un peu les... Le panda là, des choses comme ça, mais il n'y avait plus, donc je voulais en prendre un mais il n'y en avait plus. Puis je vous ai filmé vite fait les puzzles parce qu'en fait il y a de la musique et tout, et je savais pas si j'avais le droit de filmer, donc j'ai pas filmé très très longtemps. Là je suis en train de jouer avec les chats, on a joué un petit peu au laser mais Mystique il joue pas beaucoup, et là je joue un petit peu avec Mini avec un truc comme ça, mais ça bouge pas beaucoup, voilà, il joue pas trop. Je sais pas qu'est-ce qu'il a, il joue pas trop. Il n'a pas trop envie de jouer. Et là, je suis trop contente parce que hier, on a trouvé le livre tome 11. Donc, je suis trop contente. Et peut-être je vais en faire un, je sais pas du tout. Je vais voir ce que je vais faire. Parce qu'il faut aussi que je termine le puzzle. Et là, on a Mystigri qui est derrière. Voilà. Là, ça va un petit peu mieux à cause des enfants là qui étaient venus. Là ça va un petit peu mieux, il est de nouveau, calme à peu près, bon il a encore des sursauts hein, mais ça va, il est un peu plus tranquille on va dire. Donc voilà, et ben, j'espère que vous allez bien, et j'espère que vous m'entendrez bien parce qu'avec ce téléphone je pense qu'on va pas beaucoup m'entendre hein, mais voilà, il faut que je trouve quel est le problème avec ce téléphone parce que je ne sais pas. Donc je vais pas trop vous parler parce que avec ce téléphone, c'est moyen. Et je vais voir ce que je vais faire. Voilà. Hier soir, j'avais rien fait parce que j'étais claquée. Et en plus, j'avais mal au ventre comme tout. Et là, je vais voir. Pour faire un petit truc, un petit loisir, un petit truc. D'abord, je vais prendre ma douche. Je vais me démaquiller. Je vais me laver les dents. Je vais prendre ma douche. Et après, je vais aller un peu, à mon bureau et je vais voir ce que je vais faire. Voilà. Donc, écoutez, on se retrouve peut-être plus tard. Ou sinon, on se retrouve demain. Allez, je vous fais des gros bisous et à plus tard.
coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est jeudi le 19 avril et je filme toujours pour le vlog. Alors écoutez, j'étais très contente d'avoir ce livre-là, mais il y a des soucis avec ce livre-là. Donc moi, je l'ai acheté chez Cultura et j'ai des problèmes au niveau de la page 42 à 45. Voilà, la page est abîmée et elle est collée. Enfin, elle est... voilà, ça a été mal découpé à l'impression, donc il faudra que je le fasse. Voilà, vous voyez, c'est abîmé là, ici. Là, la page, elle est complètement bouffée. Là aussi. Non, là, c'est collé. C'est là que c'est un petit peu abîmé, ici et là. Voilà. Alors, j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient des pages jaunes. Donc là, oui, on les voit bien. Ça va être ce petit morceau-là, je pense. Et il y en a qui n'ont pas le raccord qui est mal fait ici aussi à ce niveau-là. Donc faites bien attention quand vous achetez votre livre à coloriage, contrôlez-le bien. Moi, vous voyez, je l'ai cherché en magasin, je cherchais à Cultura et j'ai pas fait gaffe. Parce que ça, c'était complètement plié, c'était bien sur la page, donc j'ai pas fait gaffe du tout. Et j'ai pas pensé à bien regarder le livre. Voilà, j'étais tellement contente de l'avoir que j'ai pas fait gaffe. Et il y en a aussi à ce niveau-là. Là où c'est pas droit, ça part un peu en cacahuète, donc faites attention. Et il y a des symboles apparemment qui reviennent. Voilà ce que j'ai entendu sur ce livre-là. Maintenant, faites gaffe, hein, comme dit, regardez. Il y aura des petits soucis. Donc il y a des pages qui sont collées, moi ça va, j'en ai que deux. Il y en a qui en ont beaucoup plus, qui ont plein de soucis. Après, il est mal découpé, hein. Il y a plein de soucis là, sur la page. Je vois qu'il y a plein de petits morceaux qui restent. Là, la page aussi devant, elle est mal découpée. Il y a des taches. Il y a une tache là. Ouais, je sais pas. Je voulais les ramener. Après, je me suis dit, si c'est pour me prendre un livre où il y a encore plus de défauts, ça sert à rien. Mais c'était le seul qui restait. Donc maintenant, je comprends pourquoi c'est le seul qui restait. Voilà, donc après je suis quand même contente de l'avoir, mais bon, c'est un petit peu chiant là, c'est ces problèmes qui peuvent arriver. Moi, le seul magasin où j'ai vu qu'il y en avait, c'était Auchan, il en restait deux, ils n'étaient pas du tout au rayon livre à coloriage, ils étaient dans les pop. Et il restait Cultura où il n'y avait que celui-là. Voilà, elle m'a dit qu'il y en avait d'autres derrière, j'y suis retournée hier, j'en ai vu aucun en rayon. Donc voilà, pour vous dire, il faut faire très attention quand vous achetez votre livre. Voilà, le Pulse, il est terminé, je vous le montre. Donc il est comme ça avec le chat et le chien et les roses. Et je le trouve très 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 joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve très très beau. Alors j'avais quelques pièces... voilà, j'avais des petites pièces qui étaient un peu abîmées. Hein. Des choses comme ça, des pièces un peu écrasées. D'ailleurs, celle qui est écrasée, je ne sais même plus où est-ce qu'elle est. Il y en a plusieurs, hein, de toute façon, dedans. Tac, tac, tac. Ah, je sais plus. Ah, là. Là, il y en a une comme ça. Il y en avait quelques-unes comme ça, là aussi, à ce niveau-là. On avait des pièces comme ça aussi, un peu abîmées. Voyez, il y avait le papier aussi qui était décollé dessus. Il fallait le recoller. Sinon, ça va, ça s'emboîte bien. Hein. Moi, je n'avais pas de soucis de ce côté-là. Et il était complet. Voilà, il manquait rien. Mais je le trouve trop, trop beau. Pour 2,99€, franchement, il est magnifique. Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on est samedi le... On est le 20. On est le 20. On est samedi le 20. Alors, je suis allée ramener le livre coloriage mystère, le tome 11. Je suis allée le rendre à Cultura. Mais le problème qu'il y a, c'est que déjà, il n'y avait plus de livre. Il n'y avait plus d'autres tomes. En fait, ils ne vous remboursent pas. Vous devez faire un échange. Donc, j'ai recommandé un autre livre parce qu'en fait, ils voulaient me recommander ce tome-là. Mais j'ai vu sur le site Hachette qu'ils allaient ressortir le
le tome 11, mais avec comment? Avec des erreurs corrigées. Donc je vais attendre. Alors c'est dommage parce que j'avais envie d'en faire un dedans, mais c'est pas grave, je vais attendre. De toute façon, j'en ai d'autres. Pour l'instant, je suis sur... Alors attendez, on va regarder ensemble. Je suis sur quel tome en ce moment? Je crois que je suis sur le tome 10. Je suis pas sûre. Ouais, je crois que... Ouais, je termine un du tome 10. Donc, désolé pour ma tronche. Hein. Voilà, donc j'attendrai que les erreurs soient corrigées. Donc, on verra ça. Je verrai ça. Je verrai ça... je verrai ça quand ils ressortiront un autre tome, tout simplement. Alors après, on est allé faire un petit tour à Action, mais il n'y avait pas, pas grand-chose. On est allé à Auchan et on a fait un petit tour au Jouet Club. Et au Jouet Club, j'ai pris un truc de Lego que je vous montrerai dans un haul. Voilà, donc je verrai parce que c'est un genre de panda, là. Il est super joli. Et puis, vu que c'était l'anniversaire de ma mère, c'était le 18 avril, et je ne suis pas allée tout de suite, j'y suis allée donc aujourd'hui. Sauf que ça s'est très très mal passé avec mon père, et qu'on s'est engueulé comme de la merde. En fait, il est arrivé, il a commencé à me dire, qu'est-ce que tu fous là? J'ai dit, je ne sais même plus ce que j'ai dit, parce que je suis restée bête en fait, je crois. Et après, je lui ai dit que j'étais venue pour voir ma mère, tout simplement. Et puis il a commencé à me sortir des merdes, et puis comme d'habitude, et puis c'est parti en dispute, et puis je sais pas fermer ma gueule alors que je dois fermer ma gueule, et je la ferme pas, et c'est parti en cacahuète, et je chialais comme une madeleine, et c'était n'importe quoi. Que des conneries. J'ai reçu aussi un échantillon aujourd'hui. Good Girl, j'ai reçu un petit échantillon. Donc voilà. Mais voilà, c'est chiant. Tout le temps des disputes, c'est chiant. Alors, je vais vous passer un haul. Et puis, on va se retrouver plus tard. Tchou! Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va essayer de faire un cake. Alors, je sais pas du tout si je vais réussir, parce que moi, je foire pratiquement tous mes cakes. Je sais pas pourquoi, mais je les loupe toujours tous. Alors... pour cette recette, vous allez avoir besoin de 250 g de farine. Moi, j'ai pris la T45 de chez Auchan, celle-ci. Donc, c'est de la basique. Hein. Ensuite, vous allez avoir besoin de 75 g de sucre. J'ai mis du sucre et j'ai mis un sachet vanillé comme ça. Voilà. Et le sucre, c'est celui-là. J'avais un reste de sucre, donc je le termine. Ensuite, vous allez avoir besoin... Moi, je mets que 75 g de sucre parce que j'aime pas trop quand c'est trop sucré. Ensuite, on va avoir besoin de beurre. Donc, 75 g de beurre. 75 g... Attendez, il y a le chat qui bouge la porte. Oui. 75 g de beurre. Et moi, je prends ce beurre-là. Donc, c'est du beurre de chez Lidl. Il me semble, hein. Ensuite, vous allez avoir besoin d'œufs aussi. Donc, c'est soit 3 ou 4, ça dépend de la pâte, comment est-ce qu'elle va être. Et on va mettre un petit... Tu viens pas ici. On va mettre de la levure chimique. Voilà, moi, je prends celle-ci, mais il y a des fois, je prends aussi celle de la moins chère. Des fois, ça m'arrive aussi de prendre la moins chère. Mais là, je sais pas, il faut que je regarde pourquoi il veut jamais monter. Donc, je vais peut-être le séparer en deux. Je sais pas du tout, je vais voir comment je vais faire ça. Et tu descends de là... Parce que là, je fais quelque chose. Vous allez avoir besoin d'un petit peu de sel et un petit peu de lait. Voilà. Après, vous pouvez rajouter un yaourt nature, vous pouvez rajouter de la vanille, vous pouvez rajouter du citron. Mais moi, quand je fais ça, il ne monte jamais. Voilà. Jamais il monte, je ne sais pas pourquoi. Donc, on va essayer. C'est pas sûr que ça marche, hein, mais on va déjà essayer. Alors, donc, je vais prendre un saladier. Moi, je vais prendre aussi un batteur, hein, mais si vous ne voulez pas utiliser de batteur, vous pouvez utiliser un fouet ou des trucs comme ça, hein, ou votre robot si vous avez un robot. Moi, j'ai pas de robot et j'ai pas de fouet, donc je vais utiliser mon batteur. Alors, j'espère que vous verrez bien. Bon, faut que je remonte un petit peu, mais ma ring light, elle est un petit peu cassée. Je ne sais pas pourquoi au niveau de l'anneau.
Hop, je vais essayer de vous monter comme ça. J'espère que la main va tenir. Voilà, ça a l'air de tenir. Hein, regardez pas trop mon bordel là. J'ai pas beaucoup de place dans ma cuisine. Donc, écoutez, je vais vous laisser comme ça pour l'instant. J'espère que vous verrez bien, malgré qu'il n'y a pas l'anneau lumineux. Alors, écoutez, on va commencer par... Alors, on va déjà mettre le beurre. Le beurre. Donc, c'était 75 grammes de beurre. Alors, on va mettre le beurre. Hop. Voilà. On va mettre le beurre. Donc, ils disent qu'il faudrait le ramollir avec une fourchette. Donc, on va un petit peu l'écraser comme ça. Voilà, moi je fais ça comme ça. Ma tambouille. Il était déjà un petit peu fondu parce que je l'avais passé un petit peu au micro-ondes. Mais pas beaucoup, hein. Je ne l'ai pas mis fort et je ne l'ai pas mis long. Donc voilà, ils nous disent bien ramollir le beurre. Donc c'est ce que je fais. J'ai pas mis beaucoup, hein. J'ai mis 75 grammes. Mais vous pouvez en mettre jusqu'à 150, je pense. Mais moi, je veux pas que ce soit trop. Voilà, je veux pas trop de beurre. Des fois, j'en mets 150. J'en ai déjà mis jusqu'à 250, mais je comprends pas parce que ça monte jamais. Mon cake, il monte pas. Il est pas cuit à l'intérieur. Il est complètement foiré. Donc, j'espère que ça marchera. C'est possible que ça fonctionne pas. C'est possible que cette recette, c'est un échec, hein. Ensuite, il faut ajouter le sucre petit à petit. Donc moi, j'ai mis 75 grammes de sucre. Donc on va l'ajouter petit à petit. Après, j'utiliserai le batteur. Pour l'instant, j'utilise ma fourchette. Donc le sucre petit à petit. Vous pouvez mettre moins de beurre si vous pouvez mettre moins de sucre si vous voulez pas autant de sucre, hein. Donc voilà ce que ça me donne pour l'instant, pas grand chose, hein. Alors ensuite, hop, je vais mettre ma fourchette là parce que j'ai un grand saladier. Alors ensuite, donc ils disent une pincée de sel, donc on va mettre une pincée de sel, une petite pincée de sel. Hop, je vais mettre ça à peu près. Vous voyez, il n'y a pas grand chose. Hop, et on va mélanger. Donc voilà ce que ça me donne pour l'instant, pas grand chose, hein. Donc là, on va mettre les œufs un par un. Donc là, pour ça, je vais prendre mon batteur. Alors, je prends des œufs de chez Super U, hein, des œufs basiques, des jeux basiques. Et je vais préparer mon batteur parce que je vais le battre avec le batteur. Voilà, hop. Alors, il faut en mettre 3. Et moi, je vais voir par rapport à la consistance de la pâte. Déjà un. Hop. Alors, je prends mon batteur et c'est parti. Thank you.
Désolé, j'avais plus de place sur mon autre téléphone, du coup on prend celui-ci et le son il n'est pas bon du tout, je sais, mais voilà, j'ai pas le choix. Alors, ensuite, hop, je mets ça là. Voilà ce que ça me donne pour l'instant, un petit mélange comme ça. Ah, il y a encore au fond là, ça n'a pas bien mélangé, mais c'est à cause du saladé. Ensuite, il faut mettre la farine d'un seul coup. Donc la 250 grammes, ils me disent vous les versez d'un seul coup dans la recette. Donc c'est ce que je vais faire et je vais prendre de nouveau mon batteur et je vais mélanger. On va mettre le petit verre de lait. Hop. On ne veut pas tenir. On va mettre le petit verre de lait. Donc, ils disent pas combien faut en mettre dedans. Ils disent vous mettez un petit verre de lait. Donc, on va pas en mettre beaucoup. C'est pas sûr qu'elle marche. Hein. Je vous dis, cette recette, d'habitude, moi, ils m'ont jamais mon cake. Enfin, quelquefois, il fonctionne, quelquefois, non. Donc, j'ai un petit peu du mal à comprendre pourquoi. Donc, un petit peu de lait. Moi, j'en ai pas mis beaucoup, voyez. Hop. Et on terminera par la levure. Il faudra un sachet de levure. Alors, on va mettre la levure. Hop. Alors, un sachet. Après, vous pouvez rajouter de la vanille, vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez. Hein, mais... Voilà, un sachet qui fait 11 grammes, moi j'ai mis. Hop. Et on mélange. Alors, je viens de beurrer mes moules avec du beurre et j'ai mis de la farine. Voilà, j'en ai mis deux parce qu'il y en a un que je vais faire avec la même pâte, hein, je vais en faire un nature et un avec des pépites de chocolat. Et je veux voir pourquoi ça ne monte pas. Est-ce que si je les sépare en deux, ça va monter? Je ne sais pas. Je ne sais même pas si j'aurai assez de pâte. Donc on va en mettre déjà un petit peu ici. Je sais pas, hein, je pense pas que j'aurai assez de pâte pour en faire deux. Hein. Non. On va en faire juste un seul. On va en faire juste un seul. Donc du coup, je vais pas mettre de pépites de chocolat parce que moi, je n'aime pas ça. Après, le reste de pâte, je le mets dans l'autre. Non. J'en aurai pas assez, de toute façon. On va tout mettre dans un. C'est pas grave. Bon. Alors, je vais mettre le cake au four. Celui-là, je m'en servirai pour faire autre chose. Je vais faire 180 degrés pendant 10 minutes. Et ensuite, je vais baisser un tout petit peu. Et je vais le laisser encore cuire bien 40 minutes. Voilà. Je vais contrôler la cuisson de toute façon de temps en temps. Alors, j'ai réussi à faire les cakes. Mais alors, j'en ai fait un nature et un au citron. Mais je trouve que celui-là, je pense qu'il est un tout petit peu trop cuit. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir. Je pense qu'il est un petit peu trop cuit. Je m'étais rendu compte que j'avais pas filmé la fin du vlog. Alors, vous, c'était le gâteau. Donc, effectivement, il est trop cuit. Voilà, j'aurais dû réduire un peu la chaleur parce que c'était quand même un petit peu trop cuit. 10 minutes en trop, je pense. Et peut-être que j'avais pas mis assez de beurre, je pense. Voilà. On refera une recette, je verrai pour chercher autre chose. Et peut-être que la prochaine fois, on fera une tresse, mais pas ce dimanche-là, peut-être une autre fois. Alors aujourd'hui, il pleut. Donc voilà, comme d'habitude. Donc moi, je vais clôturer le vlog. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi dans les loisirs, dans les magasins, etc., etc. J'ai rendu le tome 11, hein, donc j'attends que Hachette ressorte une nouvelle édition. Et Cultura ne rembourse pas. Donc Cultura ne rembourse pas et ils font juste un échange. Voilà, un échange.
Donc c'est tout. Alors écoutez, moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Je vous mettrai d'autres vidéos dans la semaine. Hein. Vous aurez un vlog, vous aurez peut-être la vidéo de produits finis, je verrai. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Et si vous avez une bonne recette de cake, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire. Bye bye tout le monde. Tchou.